Semence, ça tourne. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, petit vlog. En fait, j'ai décidé de faire des vlogs de mes journées quand je vais au local. Faire du son, faire des trucs et tout. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça se trouve, ça va être nul. Si ça se trouve, ça va être pas très bien. On verra bien. Mais là, c'est mon intro. Voilà, c'est un peu ridicule. Et je suis désolé pour ma sale tête. En fait, c'est parce que hier, on a fait une soirée... j'allais dire un peu arrosée, mais c'est faux. Elle était complètement inondée, la soirée, quoi. Donc là, il est 17h. Je viens de me lever. Ça fait plaisir. Encore une journée qui va être très productive. Je viens de regarder le plan que je viens de tourner. C'est dégueulasse, on voit rien, ça tremble, mais bon, on laisse comme ça, c'est les débuts, quoi. Imagine dans 18 ans et 6 mois, genre, je deviens connu, on pourrait dire, ouais, c'était ça le début des vlogs, comment c'était trop nul. Faut qu'on trouve un nom pour les vlogs aussi. Je pense que j'aurais trouvé avant que je sorte la vidéo, donc je sais pas pourquoi je vous demande. Et tu veux vous faire foutre, bisous. Bon, là on est dans la voiture, je vais essayer de me filmer au volant. Faut surtout pas faire ça. Non, en vrai, petit message de prévention, mais faut surtout pas utiliser son téléphone au volant, ça peut être hyper dangereux. Bon, sauf cas de force majeure, par exemple, t'es au volant, t'as envie d'utiliser ton téléphone, bah tu l'utilises, mais autrement, si t'as pas envie, tu l'utilises pas, quoi. Donc je vous laisse, on va au local. Je vous mets l'adresse GPS et tout pour que vous venez en bas du local. Bouzy sera trop trop content, quoi. Alors voilà, on est dans un ascenseur. Je savais pas quoi dire. Ça va, mec? T'es vraiment dormi comme ça? Non. Ça va ou quoi? Voilà, ça arrive, mon pote. Ouais. T'as des fonctions, quoi, Joseph? Non, j'ai pas des fonctions. Mais c'était quoi cette histoire de fonctions? Je sais pas, mec, j'ai rien compris, mec. Oh non. J'ai écouté le vocal, je sais plus qu'est-ce qu'il raconte. Moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire, moi. Parce que hier, je l'ai forcé à sortir. En vrai, normalement, il sort jamais, c'est moi qui l'ai forcé. J'ai envoyé un petit vocal à 5h30 du matin. Giuseppe, est-ce que t'as d'autres fonctions? J'autorise de le mettre un court extrait. Vas-y, je vais vous mettre un tout petit extrait du vocal pour vous rendre compte du truc. T'as d'autres fonctions à dire? Si t'as d'autres fonctions, dis-les-moi. Dites-vous, moi je me suis levé avec ça, c'est le premier truc que j'ai entendu ce matin au réveil. On est au local du coup, et là il y a Meitou, il dort. Je pense que je vais le réveiller, faut que je trouve une façon douce de le réveiller. J'ai peut-être envie de péter, ou... Je vais voir, je vais trouver un truc. Alors, où est-ce qu'il dort, ce petit con? Mehdi dormait dans le studio de Dobby. Ah oui, il est là. Attendez. On va essayer de l'apercevoir, je sais pas si vous voyez. Ouais, je le vois pas. Il monte à peu près 200 vidéos par jour, donc c'est pour vous dire, il a beaucoup de boulot. Et là, c'est son autre chambre. Parce qu'en fait, il est pas payé, du coup, il dort dans le local, ça fait plaisir. Et là, du coup, attendez, mais vous voyez pas en fait, vous voyez ma tête. Ici, c'est le bureau de Bouzy, c'est où il y a mon studio. Hop, je sais pas où on allume les lumières. Là, c'est mon petit studio. Attendez, là, il y a mon studio où je fais de la musique. Ça, c'est le petit salon pour se poser. Ça, c'est le bureau où il fait genre, il fait ses papiers, mais il fait pas ses papiers. Et ça, c'est où il stream. Et ça, c'est sa garde-robe. Parce que ce que vous savez pas chez les youtubeurs du local, c'est qu'il y en a aucun qui a une maison, ils vivent tous dans le local. Bon bah après, moi, faut que je travaille, faut que je fasse le son. En gros, je vous explique, c'est pour la chaîne de Dobby, il veut faire un son. Il veut reprendre ingénieur informaticien, je sais pas si vous connaissez le son, attendez, je vous fais écouter. J'ai la flemme de faire le montage d'introduire le son de base, donc je vous filme l'écran direct. Bon bah, y a rien qui marche. Je dois tout redémarrer, ça fait plaisir. Je vais peut-être faire une petite sieste, ça fait trop plaisir. Je sais pas pourquoi je fais que... Wesh. C'est mon ordi, il a fait ce bruit-là, c'est un... C'est un PC gamer ou quoi?
C'est marrant parce que c'est vraiment un PC gamer. C'était pour ça que c'était une... peut-être le premier et le dernier vlog de ma vie, je pense. C'est ça le son du coup. Je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Et du coup, bah, il veut refaire sur sa chaîne. Donc moi, je lui refais une instru et tout parce qu'il faut que ce soit plus moderne et mieux. En gros, c'est juste le même délire. Ça va être un son avec des refs YouTube, informatique et tout. Là, attendez, je vous fais écouter où on en est. C'est un truc house un peu, mais je vais tout refaire. Là, c'est pas propre, c'est dégueulasse. Je suis YouTubeur informaticien. Je dois être sur mon opticien. Je me couche là où tu viens de t'élever. J'ai déjà couché avec mon PC. Et là, la paix, ça me fait peur. Je suis bien devant un jet. Voilà, du coup, un truc qui danse et tout. C'est pas moi qui vais chanter, c'est Dobby. Je vous en mets pas trop pour pas vous spoil, mais je pense à la fin, ça ressemblera même plus du tout à ça. Mon gars, là Faudra que j'aille faire une sieste, en vrai. Je crois que je vais faire une sieste et je vais retravailler parce que ce soir, avec Roro des Inachevés et Dob, on va faire un escape game en VR à 20h. Et à 22h, on va un truc assez son. Pareil, c'est des jeux. Pourquoi je fais tout le temps, je tourne comme ça là. On va assez son faire un truc de réalité virtuelle ou je sais pas quoi. Mais ça fait plaisir parce que Roro est dans le même état que moi, donc on va se soutenir. Je pense que je vais peut-être l'embrasser sur la bouche, par exemple. Ingénieur informaticien, nanana. Bon, je suis trop content, j'ai refait pas mal de trucs. J'ai hyper bien avancé. Faut que je finisse d'écrire les paroles et tout, ce que j'ai de Dobby pour écrire les paroles, parce que quand tu sais pas faire, bah tu sais pas faire. Voilà. Donc voilà, j'ai écrit premier couplet, refrain, il manque juste le deuxième couplet à écrire et après on est bon, on pourra envoyer Dobby à l'enregistrement, ça fait plaisir. Et là, je pense que je vais aller me mettre sur le canapé de Bouzy derrière pour faire une petite sieste avant ce soir parce qu'on a l'escape game et après on a le truc en VR là, faut absolument que je dorme. Tu dors ? Tu dors ? Non, je dors pas, je fais juste un plan pour mon vlog. Où je fais genre je dors. Tu sais flouter toi? Flouter. Si je monte sur mon cul. je file, je passe par chez moi, prendre une petite douche, m'habiller un peu. Vas-y. Mais t'as pas un pote qui est chaud? Je peux demander. Je vais demander. C'est vraiment sympa. Pas en train de t'embrouiller. Non. Non, non, vas-y, je vais demander à un pote. C'est où du coup? Je vais te dire ça. Ah ouais, en plus tu vas pouvoir vlogger. Ouais. Ouais, je pense que je vais vlogger les deux trucs du coup. Bah ouais, c'est bien. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait du contenu. Vas-y, vas-y, attends. C'est comme si t'avais une vidéo ouf. Alors que ouais. Tu dis putain, ouais. On m'a proposé un truc dans la journée, faut que je filme ça. Oui, c'est vrai, parce que le week-end, normalement, à part me mettre débranlé, je fais pas grand-chose. Là, ça va pas empêcher hier. Oh putain de bête. J'aurais pas voulu vlogger ça, si, ça aurait pu faire des... Oh bah oui. À 600 000 likes sur ma vidéo, on fait un vlog en boîte. J'ai 124 abonnés, normalement, ça peut le faire. Moi, si j'ai 124 pouces bleus, il y a un truc à faire. 124 pouces bleus, on vlog en boîte. Ouais, vas-y, je suis là. Tu serais chaud, ouais. Voir, mais je serais là, ouais, ouais. Bon, du coup, j'ai fini la journée, ça fait plaisir. J'ai fait le son pour Dobby et tout. Et là, je vais rejoindre Roro des Inachevés. On va faire un escape game, sauf que normalement, c'est à 3. On est que 2 parce que personne ne veut venir avec nous. On se rejoint tout de suite à l'escape game. Transition trop cool. Bon, j'étais au McDo et j'ai dû me casser, j'ai même pas pris ma commande parce que c'était trop long et vu qu'il y a le truc avec Roro là, voilà, je viens de payer 16 balles pour rien, ça fait plaisir. Du coup, on est arrivé au petit machin où on fait des escape games avec un casque de moto virtuel sur la tête. C'est hyper stylé, ça s'appelle Virtual Room. Tu vois, est-ce que c'est flou ou pas? Tu vois rien? Ouais, c'est tout blanc. Ok, alors attends, je te l'enlève. Je vais voir juste sur le PC ce qui se passe. J'arrive. J'étais là.
là, attends, c'est bon, il y a rien. Oh, le blanc, il est bien fait, gros. Il est super blanc, le blanc. Ça, c'est stylé, on dirait Ready Player One. Ouais, un peu. Ouais. Après, le sol, il s'ouvre, il y a des tapis de course. Et c'est tout. Vrai. Ouais. Ah putain, c'est... mais c'est chance que c'est des lattes de parquet, il faut enlever latte par latte. Ça va s'ouvrir. Ah oui, ok. Là, je crois que nous, notre truc, c'est... En gros, il y a plusieurs jeux. Nous, notre jeu, là, ça va être... On va s'affronter sur des mini-jeux en 1v1. Il y a des trucs où on sera ensemble, donc évidemment, je vais le fumer sur les 1v1. Et les trucs où on sera ensemble, on va gagner parce que je suis dans, le... dans l'équipe, quoi. Ok, ça va être bon. Ouais. Vas-y, ça le fait. Ouais. Oh la dinguerie. Il faut que je fasse la même chose. Ah oui, il faut que tu viennes, je suis dans la borne. Ah, j'ai l'impression d'avoir trop. Merci aventurier. En vrai, j'en ai au moins 17. Ta gueule, le Quidditch. Pour aller sauver la princesse Melba. On aille sauver la princesse Mectar au Golem Cave et un labyrinthe par là-bas. Fais gaffe. Ouais, j'ai cru qu'il allait nous fracasser. Attends, c'est si je lui mets un petit coup de boucher dans la gueule. Ah oui, ok. Je peux le prendre du coup. Ouais, prends-le, mets-le. Voilà. Oh, il est con. Il est tombé ce con. Mets-le là. Ah ok. Ah ok, c'est comme Mario oh. Mais c'est trop une dinguerie. Oh là là, je suis nul. Oh j'ai pris une bastos de l'enfer mec. Ah il est mort. Oh j'ai un lance-roquette. Oh wesh. Là. Oh. Tu m'as battu. Ah c'est vrai que t'as fait plus de points que moi. Sacharia mon pote. Mais qui ouais. Sait que... On a fini, c'était trop bien. De toute façon, vous allez voir les extraits du gameplay et tout. Du coup, on est à Eva à Cesson. C'est un truc, on dirait une patinoire, sauf qu'en fait, on fait la guerre. Et c'est là, on fait 4 contre 4. Et après, on va se tirer dessus en réalité virtuelle. C'est trop, trop stylé. Yeah. Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on hearing voices. Little whispers in my head, man, is you fake or loyal? Why no water, death is signer, baby, pick your poison. These little demons living underneath my bed, creeping. Know the real monster lives above them all. Bon, je viens d'arriver chez moi, je sors d'Eva. Eva, c'est le truc de VR où on vous faisait dire c'est pas une meuf, hein. Je sors pas d'Eva la fille. Je vais me coucher, je suis trop KO, mais c'était trop bien. J'ai un espèce de sensation d'être encore un peu en VR, c'est trop bizarre. Parce que je pense que j'ai passé trop de temps avec un casque VR entre le truc qu'on a vu avant, la Virtual Room et Eva. Et c'est trop bizarre, genre je me cogne, c'est indescriptible comme sensation, mais t'as l'impression que les objets sont pas vraiment là, du coup tu fonces dedans, alors que bah là ils sont hyper là quoi. Là c'est mon volant par exemple. Mais voilà, je vais me coucher, je sais pas ce que ça a donné le vlog, faut que je trouve un nom, que je le monte, que je poste, et après que j'en fasse un par semaine, voire deux par semaine, en fonction de ce que je fais la semaine. Mais ça fait plaisir. Merci pour tous ceux qui ont suivi. Qu'ont suivi le vlog et qu'ont pas suivi moi dans la vraie vie, me suivez pas dans la vraie vie. Ça fait plaisir, on se retrouve très vite, je sais pas comment finir cette vidéo. Bisous! Je crois que j'ai tapé sur la light au lieu de taper sur l'objectif. Ouais.